c'est fait. Alors, comme vous allez assister à un spectacle qui n'en est pas un, où il n'y a absolument aucun effet son et lumière, on a tout mis au début. Nous sommes donc réunis, mes frères et mes sœurs, pour parler de l'actualité de ces dernières semaines. Un tour de l'actualité à la fois exhaustif et objectif. Alors nous sommes le 16 octobre 2022 et encore, c'est pas sûr. Alors tout allait normalement mal et voilà que paf, à la rentrée, la reine nous quitte. Oh, on n'avait pas besoin de ça, le drame. La reine, l'Angleterre, casse sa pipe en or. 96 ans, dans sa propriété de Balmoral, 20 000 hectares, 50 employés à demeure, plus de chambres que tous les palaces parisiens réunis, entourés de sa famille. Une tragédie. Et là, d'un coup, vous avez vu, là, hop, l'actualité phagocytée, on ne parle plus que de ça, en boucle. On en a bouffé de la reine, même faisant des. D'un coup, paf, plus de guerre en Ukraine, plus de dérèglement climatique, plus d'économie d'énergie à faire, plus d'inflation, plus de problèmes de pouvoir d'achat, la reine devrait mourir plus souvent. Médias qu'on critique, mais que je remercie au passage, puisque... à les entendre pendant toute cette période dramatique. Les médias qui nous disaient « La France est triste, c'est la sidération dans tout le pays, les Français pleurent, la reine avait conquis nos cœurs. » Moi qui pensais que j'en avais rien à foutre. Heureusement que les médias sont là pour m'informer. Alors bon, que les Anglais soient tristes, on peut comprendre, ça leur coûte un bras. Bon. Parce que là-bas aussi, c'est la crise, hein, c'est la crise. Et en plus, ils vont être obligés de changer tous leurs mugs. Voilà. D'ailleurs, c'est hallucinant, c'est pas sous les yeux, en Angleterre, avant le décès, il y avait des grèves, des manifestations partout dans tout le pays, et là, paf, tout a été suspendu 9 jours. Imaginez ça, 2 secondes en France. Ben, rigolez pas, nous aussi, on a un roi. On en parlera plus tard. Et voilà, Claire, hop, on a tout suivi. 9 jours, ça a duré non-stop. 9 jours où il ne se passait rien. Bon, elle a au moins pu ressusciter, la vieille. Alors, les journalistes qui commentent, évidemment, il faut rendre ça spectaculaire. Alors, on était sans cesse dans le livre des records. Arrête, 70 ans de règne, 15 premiers ministres, 564 chapeaux, 10 000 inaugurations, 77 654 cocktails, un mari. Oh, c'était pas une dévoreuse de bites, hein. Oui, je suis désolé, mais je ne sais pas pourquoi cette période m'a rendu grossier. Voilà, ça plus Sandrine Rousseau. On en parlera plus tard. Alors, 9 jours. 9 jours, allez, il faut combler du temps d'antenne. Alors, on a eu droit, par exemple, tout un après-midi, à un débat sur le premier « God Save the King ». Fallait remplacer un mot. Très dingue. Voilà. Et alors, il y a eu aussi le premier discours de Charles III, Charles III, où il leur donne des numéros là-bas, c'est pour les trier à la fin. Alors, Charles III, voilà son premier discours à la télé, voilà, étudié, analysé, mot à mot, où il parle de sa darling mama.
C'est beau, il évoque également Camilla, hein, la pute qui a remplacé les Didi. C'est Sandrine Rousseau. La nouvelle reine qu'on saute. Alors. Et alors, le débat, évidemment, Charles III sera-t-il à la hauteur de la tâche? Voilà, parce que la reine était, ça, on l'a entendu, et alors, 1200 fois, garante de l'unité du pays. C'est vrai. Heureusement qu'elle était là, sinon, il y aurait eu le Brexit. Et alors, tout le monde y est allé de son témoignage poignant. Voilà, il y avait des à la télé, on regardait en direct, il y avait des micro-trottoirs partout. On interrogeait les gens, comme ça. Alors évidemment, c'est tout c'est truqué, comme ça. Ouais. Vous êtes triste, restez sur le côté, on va prendre l'antenne. Comme ça. Et là, une fois, ils sont tombés, il y avait un couple de jeunes. Et là, ils font, alors vous êtes à côté, voilà, oui. Alors vous êtes triste. Alors elle fait, oh oui, je suis très triste. Et vous alors, j'en ai rien à foutre. Là, tout de suite, reprenons l'antenne. Et maintenant, Stéphane Bern. Et dans ce magma de platitude, il y a une phrase ouais, qui a retenu mon attention. Elle est revenue alors, à de nombreuses reprises. Tant qu'on n'a pas vu le cercueil, on ne pouvait pas y croire. Ça paraît con comme ça, hein. Mais cette phrase m'a interpellé. Est-ce qu'elle était vraiment dedans? Ben oui, parce que 9 jours, c'est long. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce qu'il l'avait empaillé? Est-ce qu'il y avait un mannequin? Moi, je pense qu'à l'intérieur, je pense qu'il y avait 500 kilos de cocaïne. Ah ben oui, les prix de l'énergie ont explosé en Angleterre aussi, là, faut chauffer tous les châteaux, ça va devenir cher, hein, faut trouver du cash, puis c'est la meilleure planque. Qui va vérifier? Personne. Voilà, personne. Et la famille, le soir, dans le caveau familial, ils récupèrent la schnouf et ils en revendent au détail. Non? Bien. Sinon, après, il y a eu les obsèques aussi, là. Alors, dans les commentaires qui revenaient de plus en plus sur les obsèques, il y a un mot qui est revenu sans arrêt, c'est la sobriété. Et tu regardais en même temps, toi tu disais, les journalistes ont lâché la rampe. Bon, on le savait, mais là, vraiment, il y a quand même plus de 20 000 soldats, policiers, fonctionnaires, mobilisés, le cercueil tiré par 152 marins des pompons, 2000 invités, le cercueil qui pèse une tonne, hein, il y a des détails, il paraît qu'ils l'ont lesté. Bon, nous, on sait que c'est de la chenouf. Voilà, plus de trains qui circulaient, plus d'avions, plus de bus, rien, le tout qui a coûté 9 millions d'euros, je n'aurai qu'un mot, sobre. Et alors, il y a des anecdotes. Il y a le prince Andrew, hein, je ne sais pas si vous avez vu, hein, c'est un des fils de la reine accusé de viol. Voilà. Alors lui, comme il était destitué, il était en costume. Voilà. Parce que là-bas, les mecs qui violent, ils sont en costume. Voilà, voilà. Et l'autre était en tenue militaire, était en costume. Harry aussi, qui a-t-il violé? Je ne sais pas. Et le prince Andrew, hein, on nous dit comme ça qu'il va. Bon, il est un peu puni, mais quand même, il a une récompense. Il va s'occuper des deux chiens de la reine. Ah oui, Muick et Sandy. Alors, la première question qu'on se pose, c'est lequel va-t-il enculer en premier? Hein? Oui, je vous préviens. Je ne sais pas ce qu'il prend en ce moment, mais. Et alors, par contre, j'ai vu quelques jours plus tard, Gorbatchev a cassé sa pipe, juste avant. On en a beaucoup moins parlé. Beaucoup moins. C'est-à-dire que les médias préfèrent parler de celle qui change de demeure à celui qui a changé le monde. C'est un choix. Mais c'est dingue. C'est dingue quand même que dans une période de modernité forcée, de progrès obligatoire, que ça. Une vieille bourgeoise traditionnaliste, ultra-conservatrice, colonialiste,
soit une icône. On est perdu. On manque de repères. Voilà. Balkany nous manque. Bon, sinon, c'est le marasme total, qu'est-ce que je veux que je vous dise. Voilà. La seule bonne nouvelle, c'est que vous êtes là ce soir. Vivant. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas eu affaire à un contrôle de police. Et alors, vous avez réussi à atteindre le théâtre. C'est donc qu'il reste de l'essence. Alors, la pénurie. Alors, il paraît qu'il y a eu une pénurie. Alors, c'est pas si simple. D'après le gouvernement, pendant très longtemps, on leur dit, il y a eu une pénurie. Non. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement, nous disait donc Véran, hein. Oh, je suis là. On s'est tapé pendant 2 ans de pandémie. Et il est porte-parole. Merde. Donc, il n'y a pas de pandémie. Non, il y a juste 2-3 stations. Je sais. Et les gens, quand même, hein, ils aient exprès d'aller dans les mêmes stations. Ah là là, la population, je vous dis. Hein. Et le même gouvernement, hein, est passé alors du jour au lendemain, ouais, comme ça, de « Non, il n'y a pas de pénurie » à « Cette pénurie est insupportable. » Voilà, on est bien dirigé. Alors, et là, tout d'un coup, c'est la réquisition, hein, vous avez vu. Alors, 4 employés d'un dépôt, 4, hein, réquisitionnés, obligés de travailler, sinon 6 mois de prison. Bon, alors, ça tient à pas grand-chose quand même, hein. 4 personnes qui bossent et le truc est réglé. Et là, le gouvernement recommence, il y a encore des queues, ils font « Ah ben non, il n'y en a plus !» Ils ont bossé. Voilà. Et du coup, alors évidemment, ils réquisitionnaient. Ça, la CGT, évidemment, bon, bah, ça les énerve. Hein. Bon, il leur en faut pas beaucoup pour les énerver. Hein. Bon, mais ouais, ça les énerve. Alors, l'essence fait tache d'huile et hop. Et alors maintenant, c'est appel à la grève dans les transports, l'énergie, la RATP, la fonction publique. Et voilà! Tout ça prévu le mardi 18 octobre. Voilà. Alors qu'aujourd'hui a lieu une autre manif contre la vie chère. Voilà. 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 La gauche unie. Comme au plus beau jour. Alors, et alors, il y a pénurie. Alors, pourquoi? Alors, parce que... il y a une grève dans les raffineries et les dépôts de carburant. Bon, alors, pourquoi? Parce que les salariés veulent une augmentation de salaire. Et allez! Est-ce que le patron de Total s'est mis en grève? Non, parce que lui, il est ouvert au dialogue. Il s'est réuni dans son bureau, il a discuté avec lui-même, et il a fini par céder. C'est augmenté de 150 000 euros. Ça, c'est le dialogue social. Et alors, pénurie aussi, parce que alors, les pays producteurs de pétrole, l'OPEP, a annoncé une baisse de la production quotidienne de pétrole. Voilà. Non. Pas pour faire monter les cours, non. Non. C'est pour l'environnement. Voilà. Quand même, du coup, on se retrouve, on vit dans un monde, mais on se retrouve dans une situation. Alors, plus de gaz, plus d'électricité, plus d'essence. C'est le programme des écolos. Mais sans eux, c'est pour ça que ça marche. Ah, sinon, c'est le marasme. Qu'est-ce que je vous dis, moi? À peine sorti de la crise sanitaire, on s'est tapé la canicule, une sécheresse, une crêne, une inflation galopante et cerise sur le gâteau. Oh! On apprend que Paul Pogba, le joueur de foot, là, a fait marabouter Kylian Mbappé.
Oh, c'est des champions du monde, les mecs, hein. Alors, on a eu tous les détails, hein, parce que les médias s'intéressent que aux choses intéressantes. C'est passionnant. Alors, le Paul Pogba, ouais, Paul, on va l'appeler Monsieur Paul. Voilà, accuse en plus son frère de vouloir le racketter. Voilà, ce qui paraît logique, hein, comme le gouvernement ne veut pas taxer les super profits, franchin, il s'est servi à la source. Alors. Alors, le frère, ensuite, hein, parce que ça a duré des semaines, hein, qui accuse à son tour Monsieur Paul de faire appel à un marabout, alors qu'en réalité, Pogba aurait bien fait appel à un marabout, mais pour financer une association humanitaire. Ah ! Eh, moquez-vous pas, hein, y a bien des gens qui soignent à l'homéopathie. Oh, le foot en ce moment, c'est sa mort, il morfle, hein. Affaire sur affaire, hein. La Coupe du Monde climatisée au Qatar, bon, elle tombe mal, celle-là. Voilà. Bon, il fallait se réveiller il y a 12 ans, il y a 12 ans, on dormait. Voilà. Et d'un coup, tout le monde se réveille, là. Le Qatar aurait-il acheté la Coupe du Monde? C'est pas possible. Oh. En plus, cette histoire, la joueuse là, qui a cassé les rotules d'une autre joueuse avec une barre de fer. Vous avez vu ça? La vache. À noter, sans vouloir critiquer, que ça n'arrive pas avec les hommes. Ou sur les terrains de foot, madame. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'histoire, non, mais cherchez, hein. La patineuse, vous vous rappelez aussi, là, qui avait cassé les... Voilà. Hein? Voilà. J'en dirai pas plus, hein, parce que là, en ce moment, faut pas... voilà. Sinon, voilà. En plus, il y a un joueur de foot, vous avez vu, en Angleterre, accusé de viol. Oh, le pognon. L'argent rend fou. Voilà. Parce que le problème des footballeurs, au départ, c'est des pauvres. Et ça, tout d'un coup, ils deviennent riches. Et les... Tu vois, c'est un métier, riche. Faut une formation. Regardez la reine d'Angleterre. Elle n'a jamais eu de problème. Ouais. Voilà, et puis sinon, la guerre en Ukraine, donc, qui continue, elle a démarré le 24 février. On s'habitue. Voilà, c'est... Bon, c'est terrible, hein, mais c'est... Alors, l'Ukraine... Alors, là, bon, pour comprendre... Bon, moi, j'ai un peu... J'ai du mal, hein. J'ai du mal. Alors qu'en fait, c'est très simple. Voilà. Alors, il y a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, dirigés par un fou. Voilà. Alors, nous, on est les gentils. Voilà. Dirigés par un génie. Hein? Oh, toi, Seigneur. Toi qui sais tout, nous qui ne savons rien faire dessus. Voilà. Donc, partant de ce principe. Alors, ça veut dire que donc, un matin, Poutine, bon, s'est réveillé de mauvaise humeur. Ça lui arrive souvent. Et tout d'un coup, ça, il se réveille, oh, il a mal au dos, il fait « Ah, oh, tiens, je vais envahir l'Ukraine !» Bon, il n'y a pas eu de signe avant-coureur, il n'a pas prévenu, il n'a pas alerté pendant 15 ans, il n'a pas mis en garde, il n'a pas envahi la Crimée, il n'y a rien eu avant. Rien. C'est-à-dire, l'Occident et ses dirigeants n'ont aucune responsabilité. Parce que c'est les gentils. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu ça, en Ukraine, c'est vrai, hein, ils ont très vite, ils ont inventé un nouveau terme. C'est macroné. Oui, c'est-à-dire, c'est s'agiter sans aider. Oui, eux, il aura fallu un mois pour comprendre, nous, on l'a réélu. Alors, le problème... Non, alors bon... Soit vous applaudissez tous ensemble, soit pas du tout. Non, sinon, on dirait une réunion de gauche. Alors, le problème en Ukraine. Alors, ça paraît simple. Bon, c'est qu'en face, bon, il y a un homme qui pense pas comme nous. Bon, et nous, des gens qui pensent pas comme nous, c'est impensable. Voilà, parce que nous, on pense bien. Voilà. Fin de la discussion. Est-ce que vous avez des questions? Voilà. Donc, il n'y a pas de pourquoi. Voilà. Cette guerre a pu démarrer. Pose la question, mais pourquoi? Non! Voilà.
Il y a un agresseur, un agressif. Bon, ce qui n'est pas faux. Voilà, pourtant, j'aimerais comprendre. Non ! Voilà, c'est la guerre. C'est la guerre, en temps de guerre, bon, c'est confus. Et du coup, les médias, si vous avez remarqué, qui ne savent pas grand-chose, comme ça, mais passent leur temps à nous l'expliquer. Voilà. Donc, on passe notre temps, en fait, à écouter des experts en expertise qui commentent les conneries qu'ils ont dit la veille. Voilà. Par exemple, alors, je prends un exemple, c'est touchy comme sujet, hein. Alors, vous vous rappelez la contre-attaque ukrainienne du 29 août. Vous vous rappelez ? Alors, donc, elle est fixée au 29 août dans une région précise. Mais, d'après les médias qui reprennent donc ce que dit le président ukrainien, c'est top secret. Donc, les médias ne pouvaient rien dire de plus que la date et le lieu. Attendez, c'est pas fini. Arrive le 29 août, percée spectaculaire de l'armée ukrainienne, tellement hyper percée, il faut qu'ils ralentissent. Ils arrivent en Russie. Bon. Et là, analyse des médias, l'armée russe a été prise par surprise. Ils auraient dû nous demander, on savait, nous, hein. Voilà. Non, mais ce qui me gêne, moi, c'est que, comme pour tous les autres sujets d'actualité, ce manichéisme ambiant, c'est, voilà, gentil, méchant, donc, pas de pourquoi. C'est comme ça. Prenez l'exemple. Je reprends un exemple. Vous savez, les deux gazoducs qu'on pétait, là, en mer Baltique. Vous avez vu, là? Bon, il est pété à plusieurs endroits. Donc, tu te dis, ah, c'est pas un accident. Voilà. C'est des pipelines qui sont censés amener du gaz en Europe, du Nord. Et là, on apprend que, d'ailleurs, ils ne fonctionnent pas. Mais ils les font péter. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Alors, c'est un sabotage. C'est un acte terroriste, c'est sûr. Et là, évidemment, c'est forcément la Russie. C'est le concept. Bon, les méchants, reste à savoir, et c'est là où ça devient intéressant, reste à savoir pourquoi. Et là, on a vu, sur les plateaux de télé, les spécialistes en spécialisation, experts en expertise, comme ça, qui... Alors, il fallait qu'ils trouvent pourquoi. Alors, le problème, c'est que Poutine n'a aucun intérêt à faire péter ça. Bon, c'est tirer une balle dans le pied, etc. Mais les mecs, il fallait quand même, on leur disait... Alors, donc, c'est Poutine, alors pourquoi ? Jean-Pierre, on vous écoute. Et les mecs étaient là, et il y en a un qui a sorti, parce que comme il ne savait pas quoi dire, j'ai repris, c'est absolument magnifique, c'est un message fort de Poutine qui a voulu se créer une image d'homme viril. Mais qu'il fasse un barbecue. Alors, les deux pipelines, bon, ben, la Russie a démenti, c'est pour nous. Voilà. Bon, c'est vrai que Poutine, quand il dément, un dément qui dément, c'est... On a du mal, quand même, hein, bon. Mais, alors, si c'est pas les Russes, c'est qui? Alors, il y a un truc qui est génial dans cette histoire, c'est que, de toute façon, c'est pas nous. C'est pas nous, parce que, de toute façon, on n'est pas capable. Non. Mais d'ailleurs, dans les plateaux télé, les médias, hein, quand ils cherchent à trouver, alors qui a fait ça, les Russes, oui, mais ils n'ont pas l'intérêt, alors qui peut... Nous, on n'est jamais venus dans la conversation. On ne peut pas. On est incapable de faire ça, nous. Et ça, c'est bien. Voilà. Alors, si ce n'est pas nous, c'est qui? Alors, est-ce que ce serait les États-Unis? Ah, bon, qui mettent de l'huile sur le feu, hein, quand même, depuis le début du conflit. Joe Biden, voilà. Ce serait ton président, tu rigolerais moins. Alors, Joe Biden, en février, hein, avant la guerre, avait déclaré qu'il mettrait fin aux gazoducs, ces fameux gazoducs, si Moscou intervenait en Ukraine. Bon. Alors, les États-Unis, on y est. C'est pas nous. Voilà, et ajoutez cette phrase magnifique, nous savons que la Russie fait de la désinformation. Voilà. Eux, jamais. Mais jamais c'est arrivé. Voilà. Et là, ça y est, donc la guerre en Ukraine, à entendre les spécialistes en spécialisation, à se faire en expertise,
les mecs qui nous disaient ça va durer 3 jours. Là, ça y est, à entendre les médias, c'est le début de la fin pour Poutine. Poutine est foutu, isolé, acculé, c'est cuit, c'est la fuite en avant. Donc ça y est, bon, c'est fini. Voilà. C'est fini, comme la pénurie d'essence. C'est fini, t'as beau dire, oui, mais il y en a... Non, c'est fini, là, il en a pour... c'est fini. Voilà. Je l'aime bien, Poutine. Ouais, c'est mon côté Ségolène Royal. Non, mais il est marrant. Enfin, marrant, bon. C'est pas un mauvais bougre. C'est-à-dire que depuis son passage au KGB, il a changé. Parce qu'il s'est fait bizuter, là-bas, ça rigole pas, hein. Ils l'ont forcé à se masturber devant un poster de Gorbatchev. Et depuis... Non, c'est un mec qui sait s'amuser, bon, même si ça saute pas aux yeux. Hein. Il s'amuse avec tout, les centrales nucléaires, la vérité, la vie des soldats, les Ukrainiens, la nôtre. C'est un ludique. C'est un ludique. Par exemple, prenez, voilà, on est en guerre, hein. Enfin, nous, on est en guerre de loin, hein. On peut pas participer, on a rien ne fonctionne, nous. Mais... C'est pour ça que vous avez vu les livraisons d'armes en Ukraine, tous les pays, tu vois, alors, ils ont envoyé ça, 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 nous, on réfléchit, là, on va envoyer, je pense, qu'est-ce qu'ils voulaient envoyer l'autre jour? Ah oui, des manteaux pour l'hiver. Alors, voilà, alors, la centrale nucléaire de Zaporijjia, vous avez vu, hein, donc, 6 réacteurs comme à Tchernobyl, centrale puissante d'or. Bon, alors, elle est tombée aux mains des Russes. Vous avez entendu ça? Alors, feuilleton auquel on n'a pas compris grand-chose, hein, qui est là-dedans, qui est viré, ils ont gardé le patron, etc. À part qu'il y avait une menace de catastrophe nucléaire. Alors, pendant des semaines, vous vous rappelez, on était en vacances, hein, sur nos chaises longues, un cocktail à la main, comme ça, et on entendait, comme ça, alors, des bombes sont tombées à quelques centaines de mètres de la stase de la centrale. OK? Hein? 2 jours plus tard, des bombes sont tombées à quelques dizaines de mètres de la centrale. 2 jours plus tard, des bombes sont tombées à quelques mètres de la centrale. Ça nous maintient sous pression, on boit plus vite. Voilà. Donc, cette centrale nucléaire, moi je trouve ça... Bon. Alors, tombée aux mains des Russes, alors, qui ont stocké des munitions à la centrale et qui ont bombardé depuis la centrale. C'est une idée de génie. Ben oui, les autres peuvent pas réagir. C'est génial, non? Et ben tout le monde a condamné. Le génie est méconnu. Et quand Poutine, bah, quand Poutine organise des référendums, d'annexion pour intégrer les régions envahies, c'est génial aussi. Enfin, et on dit qu'il n'est pas démocrate. Bon, on en a des référendums, nous? Bon, alors évidemment, les référendums de Poutine, on connaissait un peu les résultats à l'avance. Bon, les militaires t'accompagnaient pour aller voter, pour être sûr. Il y a des coins même où il y a eu plus de participation d'habitants, des coins où il y a eu des morts qui ont voté, ben, c'est la guerre. Si en période de guerre, les morts ne peuvent pas voter, qui va le faire? Voilà. Alors, le oui au rattachement russe l'a emporté. Dans 3 régions, 98%, 87%, 93%. Là, tu sens une vraie volonté populaire. C'est pas fini, en même temps, Poutine annonce, hein, alors que, voilà, la mobilisation de 300 000 hommes supplémentaires, alors que la guerre est finie. Mais lui, il ne le sait pas. Voilà. Bon, évidemment, des soldats supplémentaires qui, visiblement, n'ont pas l'air hyper motivés. Bon. Alors, et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Menace nucléaire si l'intégrité territoriale de la Russie est menacée. Génial. Ok. Le génie méconnu. Et puis, on se moque de la démocratie en Russie, hein, qui n'est pas parfaite, on peut dire. Mais la nôtre. Quand on voit les taux d'abstention aux dernières élections, constante augmentation depuis 20 ans. On pète des records. Dernière présidentielle, premier tour, on a pété un record. Législative, on a pété un record. Nous, alors c'est un autre problème. Les abstentionnistes sont, d'abord, nous, le problème, c'est pas les morts qui votent, nous, c'est les vivants qui votent plus.
Voilà. Mais alors, les abstentionnistes, hein, parce que c'est un grand problème, seraient, selon les experts en expertise, spécialistes en spécialisation, je cite, « des électeurs issus des catégories populaires à faible capital culturel ». Des pauvres cons. Voilà, là, donc, la France est majoritairement un pays de pauvres cons. Voilà, et c'est ça notre problème. C'est pas nos dirigeants, c'est pas nos politiques, c'est cette bande de cons qui font la queue dans les stations alors qu'il n'y a même pas de pénurie. Alors, ajoutez à ça une extrême droite à 42% au deuxième tour, 90 députés à l'Assemblée, le plafond de verre nous a pété à la gueule. Plus l'extrême droite qui gagne en Suède, qui gagne en Italie, et on continue de donner des leçons quand même, parce qu'on est les gentils. Voilà, les gentils cons. Comment c'est le marasme ? Je voudrais bien lancer une bonne nouvelle, je n'ai pas trouvé. C'est le marasme, rien ne va, tout l'été, là. Les vagues de chaleur ont remplacé les vagues de virus. Alors, d'un coup, c'était, pour rappeler, les climatisations ont tourné à donf, même la nuit. C'est-à-dire qu'on avait le choix entre crever de chaud ou polluer un peu plus. Ça m'a rappelé un peu le choix du deuxième tour de la présidentielle. Bon, finalement, on a réélu le même. Nous, on a chiné. Alors, Macron, bah, « Oh, toi, Seigneur, génie des génies, lumière des lumières, fais-nous dessus. » Donc, Macron, attention, l'homme que nous avons réélu n'est plus le même. Non, fini le président méprisant, autosatisfait, arrogant, donneur de leçons qui blesse souvent. Il a effectué, je cite, « sa mue ». Alors la question qui se pose, où a-t-il laissé sa vieille peau ? C'est l'effet Sandrine Rousseau, ça. Voilà. C'est un homme, donc déjà, pendant la campagne, il avait déjà commencé sa mue. C'est un homme qui, pendant la campagne, avait découvert, je ne sais pas si vous vous rappelez, tout d'un coup, il avait découvert l'écologie et le social. D'un coup, comme ça. Oh ! Comme ça, un peu comme à la façon de Bernadette Soubirous qui tombe sur la Vierge pour la première fois. Vous voyez ? D'ailleurs, vous connaissez la vraie histoire de Bernadette Soubirous ? Non ? Je ne vous l'ai jamais raconté ici ? Alors, je vous la raconte. Comme quoi, les médias mentent. Hein. Alors, la vraie histoire de Bernadette Soubirous. Alors, Bernadette Soubirous, elle a 14 ans, hein, elle est jeunette. Mais à l'époque, 14 ans, ça baisait déjà. Hein. Bon, elle, non. Voilà. Donc, on est dans les Pyrénées, comme ça, elle est dans la vallée, puis elle dit tout d'un coup, « Oh, je vais me promener !» Alors, elle va se promener, elle monte comme ça, elle monte dans la montagne, comme ça, et elle tombe sur un berger. Voilà. Un berger qui était là-haut depuis très longtemps. Tu vois, et les moutons, au bout d'un moment, bon... Et donc, la petite Bernadette arrive, comme ça, et là, lui, il la voit arriver, et là, il fait « Pouah !» Ah ! Alors Bernadette panique, elle redescend dans la vallée comme ça et elle hurle « J'ai vu la verge ! J'ai vu la verge !» On n'a pas de preuve irréfutable, hein, mais... En tout cas, il a plus de chances d'avoir vu une bite que la vraie... Alors bon... Ok. Et donc, Macron a eu une apparition qui jouait à l'écologie et le social, et qui, pour porter cette apparition soudaine, a nommé Elisabeth Borne, to be alive. Elisabeth... Putain, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça aussi ? Ça, parce que même si ça allait bien, tu la vois ? Non. Non, elle est en deuil permanent.
Eric Oblak de Fernand Reynaud, tu vois, Elisabeth Borne qui, de son côté, n'a encore jamais eu la moindre apparition, donc. Mais c'est un événement, donc, une femme Premier ministre. Voilà, la dernière, c'était il y a 31 ans, hein. Donc Macron, le progressiste, a mis 5 ans pour trouver une femme. Il ne voyait pas là d'allusion. Une femme qui ressemble à s'y méprendre à sa mère. Bon. Elisabeth Borne, to be alive. Je trouve ça, ça lui va bien. Ça ne se demande pas, là, Elisabeth Borne, to be alive. Oh là là. Et Macron, donc Macron, l'homme a changé. Il est pire qu'avant. On dirait qu'il aime semer la merde. Non mais c'est vrai, hein. Là, c'est un peu là, c'est tendu en ce moment. Et lui, il arrive que ça. Hop, la réforme des retraites. Tout le monde lui dit, non, pas maintenant. Mollo. Mais c'est son côté ado, tu vois. C'est un ado mal dégrossi, bien, c'est pas moi qui le dis, ce sont les psys, hein. Quand on arrête ça, quand on épouse sa mère, on arrête sa croissance. Bon. Et ben, c'est ce côté ado, il suffit de lui dire « Non, la réforme des retraites, pas maintenant. » « Ouais, pourquoi ? Pourquoi ?» Tu vois, il y a même le Bérou, hein, qui a essayé, il lui dit « Non, pas maintenant. »« Ouais, qu'est-ce que tu dis, toi ?» Non, mais on a l'impression que c'est une caricature, mais à mon avis, c'est pire. Alors, donc il aime semer la merde, et là, j'en suis où ? Oh, j'ai un pâté. Alors... Donc, et puis comme il ne peut plus se représenter, hein, malheureusement, voilà, il veut laisser une trace, un peu comme les troncs dans la cuvette des chiottes. Alors, je dis ça, peut-être qu'il y a des gens qui ont voté Macron dans la salle. En tout cas, forcément, il n'y a pas d'insoumis cet après-midi. Hein. Voilà. Il y a des insoumis dans la salle ? Et la manif alors ? Calme-moi ça ! Ah, ça y est, il y a des nuages ! Oh, on va aller au théâtre plutôt ! Ah, ben ça, c'est bien le Mélenchon, ça ! Voilà, sinon, il y a des gens qui ont voté Macron ? Oui, il y en a forcément, oui. Voilà, ok. Alors Macron, qui n'a donc plus la majorité, je lui rappelle sa rencontre avec Brigitte, mais alors, il a changé. Il a changé, c'est pas qu'il a un avis sur tout, il est la vie. Il est la vie. Macron, qui n'a donc plus la majorité, qui est obligé donc de débattre, d'être démocrate. Et là, on voit qu'il n'est pas fait pour ça. C'est pas son truc. Enfin, c'est pas un démocrate, enfin, il est centré sur lui-même, tu vois, il est, c'est là. Il est pas fait pour ça. Non, moi, je pense que la reine d'Angleterre était plus démocrate que lui. Ouais, au moins, elle fermait sa gueule. Bon exemple de démocrate. Alors, est-il démocrate ? Le vote du budget. Vous avez vu, là, il fallait voter le budget. Alors, c'est lui qui dirige, hein, c'est pas To Be Alive hein, qui dirige, hein, c'est un prêtre nom. Hein. Alors, le vote du budget. Donc. Alors, le problème est très simple. Si les oppositions ne votent pas le budget, c'est qu'elles s'opposent, hop, on sort le 49-3 à l'île gouvernement, et ce sera donc de leur faute. Depuis quand on est dans l'opposition, on s'oppose ? Alors si, par exemple, les oppositions proposent d'autres trucs que prévu, elles ne s'opposent plus. Oui, mais c'est pas prévu. Donc l'opposition doit voter le budget. Oui, mais si elle vote le budget, c'est plus une opposition. Si, selon Macron, est-ce que vous avez des questions ? Et alors, pour faire croire qu'il est un grand démocrate, donc il a créé, vous avez entendu ça, le CNR, le Conseil National de la Refondation. Alors c'est quoi ? Alors, c'est, je cite, une instance de concertation pour écouter et discuter
De quoi? De tout. Avec qui? Avec la vie. Le cerveau. On va y régler, je cite, hein, je cite textuellement, on va y régler la refondation de l'école, le bien vieillir, la réforme du système de santé, la transition écologique, la transition démographique, le modèle reproductif, l'évolution du travail, le modèle social, la transition numérique et le logement. Et en même temps, il leur restait du temps, l'enterrement de la reine. Alors c'est, je cite, ce CNR, une instance pour faire vivre les réformes. Lors de déjeuners informels. C'est pas vraiment des déjeuners, c'est informel. Informel, en présence d'experts pour éclairer le débat. Je vous rappelle donc au passage la définition d'un expert, c'est un esprit brillant qui s'éclaire le cul. Si jamais ça marche, il y aura, hein, c'est Macron qui l'a dit, plein de CNR partout. Le conseil national de la refondation partout, à l'échelle, je cite, des bassins de vie. Le mec veut relancer les pissotières. Alors là, sans vouloir critiquer quand même, encore une usine à gaz. Eh ben, souvenez-vous, il y en a eu plein comme ça. Quand on n'est pas démocrate, on invente des trucs. C'est le contrepoids. Par exemple, il y a eu le grand débat, vous vous rappelez? Grand débat. Il y avait eu, alors, je me rappelle, j'avais pris des notes, des cahiers de doléances en mairie, 16 300 cahiers de doléances, des débats locaux, 10 134 réunions, 2 millions de contributions sur Internet. Le tout a été numérisé par un prestataire, ensuite transformé en document dactylographié par un autre prestataire, ensuite résumé par tendance par un autre prestataire. Il y avait beaucoup de prestataires. Voilà. Ensuite, une conclusion a été remise à la mission du grand débat. Ensuite, un premier bilan suivi d'une synthèse du bilan, puis d'un résumé de la synthèse du bilan. Ensuite, la synthèse générale a été remise dans un rapport qui a servi de base aux décisions gouvernementales. C'est pas fini ! À l'issue de tout ça, le président aura, je cite, une vision panoramique des résultats pour pouvoir prendre des décisions dans différents champs en procédant par effeuillage. Il y a des fois, tu te dis, ils nous prennent pour des cons, hein, quand même. Mais là, on en est sûr. Alors, au bout de ce grand débat, il est resté une feuille. Une feuille. Qu'on a mis à la poubelle. Il y a eu aussi, souvenez-vous, la Convention citoyenne sur le climat. Hein? 150 Français tirés au sort pour réfléchir et proposer. Alors, le but, à l'époque, c'était, je cite textuellement, la création d'un conseil de participation citoyenne qui participera à une commission déjà existante, qui sera elle-même associée à une nouvelle délégation horizontale, transministérielle et une mission verticale. À la fin, il est resté une feuille. Mais là, ils ont changé de poubelle. Et alors donc, le CNR, voilà, avec qui aura lieu le CNR? Bon, avec celui qui fournira la poubelle. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a tellement, il a démontré qu'il n'était quand même pas un grand démocrate, hein, président, que plus personne n'y croit, donc personne n'a voulu aller à son truc. Même ceux de son propre camp, ils n'ont pas voulu, ah non, 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 pas vous venir, il a fallu les forcer. Allez, tu viens, que ça, ah non, j'ai piscine. Eh ben, il les a fait fermer. Ah, vous pensez que c'était pour faire des économies? Pas du tout! Oh la vache! Alors, mais pas d'inquiétude. Quand même, nous avons quand même une grande nouvelle énorme. Qui nous est parvenu? Xavier Bertrand! Xavier Bertrand a lancé son nouveau parti, Nous France. On est sauvés! Et les Républicains vont désigner un nouveau chef
Ils ont le choix entre Retailleau et Ciotti. Ça fait rêver. Et la gauche est de retour. Ah, j'y croyais plus. La gauche rassemblée, la NUPES. Vous n'y croyez plus. Dans l'opposition, mais contente. Alors, une gauche, vous avez vu à la rentrée, une gauche unie, rassemblée, en ordre de marche, qui allait peser dans le débat. Tous les voyants étaient au vert, et voilà que... Putain ! Un député insoumis met une claque à sa femme. Et là, tu fais merde ! Mais qu'on a réussi à se rassembler, merde ! Tu pouvais pas attendre ! Oh la vache ! Oh là là, Adrien Quatennens ! Voilà, le successeur de Mélenchon ! Hop là, alors ! Et là, tout d'un coup, on ne parle que de ça, c'est la merde. Le mec, alors il paraît que le mec divorce, hein, ça se passe mal. Bon, vous me direz, un divorce qui se passe bien, pourquoi divorcer, hein ? Voilà, et engueulade dans le couple. Je vous dis ça parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la société moderne, on est au courant de tout, hein. Tout est déballé comme ça sur la place publique, on est dans la cuisine des Quatennens, dans le lit des Quatennens, on est chez eux, on a tous les détails. Alors il paraît, bon, ils sont engueulés comme ça, bon, ce qui peut arriver, hein. Je n'excuse absolument pas son geste, hein, mais bon, tous ceux qui sont mariés savent que... Bon. Non, je n'ai pas... je n'excuse pas, non. Non, mais t'es marié, ouais, bon, alors... Non, il n'aurait pas été marié, j'aurais fait, oh, c'est pas bien. Tu vois. Bon, alors le mec, alors, il parle qu'il s'engueule là, il lui fait une réflexion, oh ben, elle répond, oh c'est bien les rouquins. Bon. Là, il en a déjà bavé à l'école, et paf, il lui met. La grosse polémique derrière, au lieu de parler de la gauche rassemblée, après c'est... Rififi chez les insoumis, le mec a fini par dire oui, non, je donne une claque, rien ne justifie mon comportement. Bon, Mélenchon s'en mêle. Oh la vache. Et là, il arrive que ça, Mélenchon, bon, il est rouquin, et alors? Et à ce moment-là, comme si ça ne suffisait pas, l'inévitable Sandrine Rousseau arrive et hop, et là, elle, oh, les rouquins, ça pue. Elle rajoute, il faut que, en parlant du député, le Quatennens, il faut qu'il cesse toute parole et vie publique. Paf. Et qu'on lui coupe les couilles. Bon, c'est vrai que ça la fout mal quand même. Parce que le mec était visiblement un des responsables très engagés dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Bon, vous me direz, il connaissait le sujet. Hein. Non, je ne m'excuse pas, mais... Et peut-être que c'était un exercice, peut-être que c'était un stage. Peut-être, je ne sais pas. Non, mais c'est con quand même, hein. Et puis, de toute façon, quand on est marié, il ne faut jamais s'engager sur la violence faite aux femmes. Jamais. Il aurait dû le savoir. Profil bas. Non, je vais prendre un autre sujet. Non. Voilà, la souffrance animale. C'est bien, ça, je vais prendre ça. De toute façon, on s'en fout, t'encules ton chien, personne au courant. Alors, bah, regardez le prince Andrew. Vous voyez, tout se recoupe, hein, au bout d'un moment. Alors, et alors, évidemment, comme si ça ne se faisait pas, tu te dis, bon, il a avoué, il sortira de la vie politique, paf, l'affaire Julien Bayou. Et allez, porte-parole de Europe Écologie Les Verts. Alors lui, il est accusé, alors, plus compliqué, de violence psychologique sur une ex-compagne, de pratiques sexuelles douteuses et de comportements de nature à briser la santé morale. Alors, bon, je vous traduis. En langage normal, c'est un queutard qui a trompé sa compagne. En gros.
Voilà, hein. Alors, bon, alors, hey, c'est pas bien, évidemment. Me faites pas dire ce que Jamais, moi, personnellement. Jamais j'aurais trompé. Non, c'est. Alors, bon, et. Alors. On marche sur des œufs un peu là. C'est, bon, c'est tromper sa femme, c'est évidemment, c'est pas bien. Mais je veux dire, si tous les députés qui ont trompé leur femme étaient, se retiraient, là, à l'Assemblée, là. Là, qui voterait les lois, là non. Et voilà, il a trompé sa femme. Je vous rappelle que l'inverse n'existe jamais. Évidemment, c'est exclusivement masculin. Une femme qui trompe son mari, c'est... Je sais pas, dans l'histoire de l'humanité, c'est arrivé 2 fois. Et encore, parce qu'elle était obligée, tu vois. Mais vraiment, c'est un... Alors là, non, hein. Et alors, Bayou, alors lui, c'est différent de Katniss. D'abord, il est châtain. Alors, au départ... Bon, alors, au départ, il... C'est ça, son avocate qui a parlé à la télé, vous avez vu, hein, parce qu'on a parlé comme ça. Hein. Bah alors que c'est enfin bref. Et alors, son avocate, hein, on voyait vraiment sur sa tête qu'elle était sincère, hein, qui pour une avocate est très rare. Hein. Et il dit, bah, le problème c'est qu'on ne sait pas de quoi il est accusé. Et là tu fais, bon, j'ai un détail. Bon, finalement, c'est... L'inévitable Sandrine Rousseau qui lui a annoncé à la télé. Elle n'arrivait pas à le joindre à la télé. Alors, et ensuite, on apprend, hein, bon, c'est le monde moderne, voilà, c'est le progrès, qu'il était donc ce Julien Bayou, hein, que tard, voilà, qu'il était sous surveillance d'un collectif de femmes, je ne sais pas si vous avez vu ça, les Louves Alpha. Alors, tu te dis, non, c'est pas. Tu te dis, moi je me dis, là, ils ont fait ça pour écrire mon spectacle. Tu vois, et non, c'est les Louves Alpha, là, genre de police des mœurs, que ça. Tu trompes ta femme, les Louves débarquent, pof, elles t'arrachent les couilles. Enfin, au début une, et puis après la deuxième. Alors, c'est. Alors. C'est là que ça devient intéressant, c'est que pour ces militantes féministes, et on peut les comprendre, ces militantes féministes, alors le tromper sa femme, c'est politique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, le problème, c'est que tout dépend avec qui. Si par exemple, si bon, t'es militant écologiste, et tu trompes ta femme avec une militante du même parti, pff, c'est un échange. Avec plusieurs, bon, c'est partout. Bon, si tu es militant écolo, tu trompes ta femme avec une militante La République En Marche. Alors là, oui! Là, c'est politique! Alors là, oui! Elles ont raison, les Louves Alpha! Oh! Voilà. Par contre, là, ça se complique, c'est si tu trompes ta femme avec une militante, une militante du Rassemblement National. Là, ça dépend. Parce que si tu pratiques la sodomie, c'est défendable. Est-ce que vous avez des questions? Bon. Tout ça, donc, évidemment, grâce à Sandrine Rousseau, nouvelle papesse de la morale, bonne sœur de la pensée, qui a, je cite, « qui a écouté la femme de Julien Bayou en confession, en toute sororité, pour des faits, je la cite toujours, qui, de toute façon, ne sont pas pénalement répréhensibles. » Bon, c'est vrai que, de toute façon, tu trompes ta femme, tu dis, ah, tu vas pas aller au tribunal, t'imagines, la juge, vous avez trompé votre femme. Bon, bah, 6 mois avec sursis. Donc, comme il pouvait pas être condamné, ils s'en est occupé.
Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, il y a un témoignage que j'attends. Mais alors, avec impatience, je pense vous aussi. Je pense tout le monde attend ce témoignage. C'est celui du mari de Sandrine Rousseau. Alors lui, le jour où il va se lâcher... Ah là, la sororité, elle va en prendre un coup, là, hein. Oh là là. Mais les mecs tombent comme des mouches en ce moment, là. Hein. Ça y va, là, ping, 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 à tel point, des fois, tu te dis, mais est-ce que je suis coupable? Mais la tête de gondole, c'est quand même PPDA. Hein. Alors... Ah, c'est Ligue des Champions, lui, hein. Et... Plus de 90 plaintes, là. Il paraît que pour aller plus vite, la justice, maintenant, interroge les femmes qu'il n'a pas violées. Tout ça, donc, évidemment, en plein dérèglement climatique, hein, comme disait Chirac, vous vous souvenez, il me manque, lui. Comme disait Chirac, la maison brûle. Vous vous rappelez, hein? Il n'a jamais sorti son tuyau non plus, lui, hein. Enfin, pour la maison, sinon. Donc, t'imagines Chirac à l'époque avec les louves alpha. Non, mais... Ah ben, elle serait en arrêt de travail, les filles. Oh la vache. Donc, la maison brûle, comme disait Jacques Chirac, et les écolos parlent de cul. C'est le marasme. C'est le marasme, puisqu'on a vu un été, bon, cataclysmique, hein, sécheresse, feu de forêt. Bon, on savait que ça allait arriver, le dérèglement climatique, mais on espérait encore. Un peu comme les gouvernements qui se sont succédés pendant 40 ans, là. On dit, allez, oh, ça va tenir encore un an. Même nous, hein, allez, encore un an, allez. Non, là, visiblement, ça y est. Méditerranée, la température a tellement augmenté, vous avez vu, là. Bientôt, on va se tremper les couilles dedans, un peu de persillade, tu vas les bouffer. Pire. Il paraît, donc, j'ai entendu, la sécheresse va s'installer. La salope. Oui, oui, là, on peut. La sécheresse, la salope, ça, c'est... C'est pour ça que j'en profite avec la sécheresse. Salope. Voilà, je vous dirai pas son prénom. Alors, pour... Non, mais, oh là, j'ai que des images sexuelles qui me viennent. Alors, pour la sécheresse... Donc, alors, il paraît qu'on va devoir planter d'autres trucs qui résistent à la chaleur. Vous avez entendu ça? Des trucs africains. Par exemple, à la place du maïs, maintenant, on va planter du sorgho. Et voilà! Le grand remplacement! Et tout le monde s'est foutu de la gueule de Zemmour! Zemmour, c'est pareil. Là, on est fou. Enfin, les médias sont fous, mais ça, c'est... Mais ils sont à l'image de... Ils sont comme nous, hein. C'est le reflet. On est passé, vous rappelez, il y a quelques mois, c'était hier, hein, de la zémourisation des esprits. Vous vous rappelez? On était tous zémourisés à rien. Voilà. Voilà. Et donc, il y a tellement eu de feux de forêt cet été qu'on n'avait plus de moutarde. Là, je pense que j'ai résumé le... Voilà. Alors, ajoutez à toutes ces bonnes nouvelles, donc, la guerre en Ukraine, Poutine qui coupe les tuyaux, c'est la pénurie d'énergie, on a crevé de choses cet été, cet hiver, on va se cailler le cul. Et là, d'un coup, vous avez vu, devant les éléments qui se déchaînent, la nature qui se venge, on a eu d'un coup tous une prise de conscience climatique. Tout d'un coup, on s'est dit, merde, on aurait dû voter écolo. C'est ma meilleure blague de la soirée. Voilà. Non. Mais le grand problème des écolos, c'est qu'ils ont raison. Mais dès qu'ils parlent, on a envie de sniffer du fioul. Ah, moi, là, en ce moment, dès que j'entends par Sandrine Rousseau, j'ouvre les fenêtres pour chauffer la rue. Bon. Revenons à notre prise de conscience climatique.
Et là, d'un coup, vous avez vu, même Elisabeth Borne, to be alive, tout d'un coup, parle d'écologie. C'est le pape qui parle de cul. C'est la prise de conscience climatique. D'un coup, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr, il y a trop de jacuzzi. Ouais, vous avez vu, hein, c'est haro sur les piscines, jet privé, jet ski. Et là, tout d'un coup, on découvre le monde, comme ça, tout d'un coup, on fait, oh, c'est pas possible. Les riches sont pas écolos. Ils ont un mauvais bilan carbone. Ben, faut bien qu'ils dépensent leur pognon. Sinon, ça sert à quoi d'être riche? C'est bien des réflexions de pauvres, ça. Voilà, le pauvre, lui, il se pose pas de questions. La preuve, il est écolo, pff, il le sait même pas. Voilà, parce qu'il est con. Voilà, c'est tout. Oh, le pauvre est con, faites pas ce qui est toujours con. La preuve, on dit toujours pauvre con. Et là, c'est parti, vous mélangez. Guerre en Ukraine, plus prise de conscience climatique. Et là, il faut économiser l'énergie partout, tout le temps, tout de suite. Maintenant, ça y est, tout de suite. Là, allez, maintenant, là, de maintenant. On appelle des deux minutes, non. On aurait pu commencer il y a 4. Non. C'est maintenant. D'ailleurs, la grande question, c'est est-ce que, j'ai pas la réponse, hein. Est-ce qu'on va faire des économies d'énergie à cause du dérèglement climatique ou à cause de la guerre en Ukraine? Disons que la guerre en Ukraine a boosté. Merci qui? Merci Poutine! Voilà un vrai écolo! Lui obtient des résultats! Voilà, plus que Sandrine Rousseau! Pourtant, ils ont le même caractère au départ. Et là, Macron... Oh, toi, Seigneur! Quel monsieur! Macron nous prédit, vous avez vu, hein, juste après le retour des vacances, hein, le lendemain, paf, après 2 ans de pandémie, il nous prédit la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. Mais ta gueule! La fin de l'abondance, alors, il parlait à qui? Toujours pareil, hein, aux propriétaires de jacuzzi, à ceux qui les fabriquent. Non, mais il est déconnecté, il est hors sol. Moi, je dis, c'est sûr, il est pas bien, il est dangereux, hein. Et il est déconnecté, il habite plus avec nous, lui, hein. Non, il habite un pays, le sien. Voilà, il est... Une anecdote, je vous rappelle, c'est un rappel, ça se passe pendant la campagne présidentielle, c'est en 2017. Hein. C'était il y a 5 ans, pas 50 ans, ça c'est le ressenti. 2017, donc, le jeune Macron est candidat, hein, vous vous rappelez, et il va à Amiens, il fait campagne, tout ça, et là il y a un journaliste quand même qui l'alpague et qui lui parle un peu, tu vois, là maintenant, c'est fini. Alors, et qui lui dit, Monsieur Macron, bon, bah, vous êtes quand même, vous venez d'une famille bourgeoise, vous gagnez bien votre vie, vous êtes déconnecté un peu de la réalité des gens, là, comment vous allez... Et là, lui, c'est le côté ado, comme ça, il fait, moi, avec les yeux qui se rapprochent, vous avez vu, ça forme de se branler, ça. Comment ça, oh, il s'aime. Moi, je pense qu'il répète ses discours en se regardant dans un miroir. Hein. Ah oui. Français, français. Bah, vous avez remarqué maintenant, ils lui ont mis un prompteur, sinon les feuilles collaient. Voilà. Non, parce que quand j'entends oh comme ça, j'en rajoute. Là, je ne sais plus quoi rajouter. Alors, donc, Macron donc, fait sa campagne 2017 à Amiens. Et ça, et là, les journalistes disent, vous êtes déconnectés quand même. Et là, il fait, moi, je sais ce que c'est que la pauvreté. J'ai été étudiant. Je sais ce que c'est que de vivre avec 1000 euros d'argent de poche par mois. Textuel, hein. Là, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, ce sera jamais élu. Il n'y a pas que lui qui est déconnecté, il y a nous. Alors. Donc, cet hiver, donc, on va manquer d'énergie. Alors, on va manquer d'énergie, pourquoi? Parce que, bon, alors, on a
après, on a un problème. Subrepticement, on a des centrales nucléaires, mais elles marchent pas. Alors, 32 des 56 réacteurs nucléaires sont à l'arrêt, sont en maintenance. Sont en goût, en maintenance, en maintenance. Et encore, on n'a pas vérifié les autres. Alors, heureusement, l'EPR de Flamanville va ouvrir. C'est ma deuxième meilleure blague de la fin. Je vous rappelle que l'EPR de Flamanville, donc, l'ouverture était prévue en 2012. Bon, il est déjà en maintenance, là. Il est pas ouvert. Au début, il devait coûter 3 milliards, il en compte 13. Est-ce que vous avez des questions? Mais heureusement, Macron est là. Oh, toi, Seigneur, mais c'est tout, nous ne savons rien. Fais-nous dessus. Macron est là, et il a des solutions. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il a dit, hein, on va demander de l'électricité à l'Allemagne. Il va faire la solidarité européenne. De l'électricité à l'Allemagne. Et là, tu fais, ah bon, ils en ont, eux? C'est pas fini. Et en échange, les Allemands vont nous donner de l'électricité, en échange, on va leur donner du gaz. Il a dit, et là tu fais, ah bon, on en a? Là tu dis, il y a un truc qui m'a échappé, là, mais... Voilà, puis entre nous, filer du gaz aux Allemands. Bon. Voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Et donc, d'un coup, c'est la prise de conscience collective, climatique. Il faut économiser, c'est le mot d'ordre. Voici venu le temps de la sobriété énergétique. Alors, pendant 2 ans, on nous a traités comme des enfants. Maintenant, c'est comme des alcooliques. Voilà. Bientôt, vous allez voir, on va avoir des slogans. Un radiateur, ça va. 2, bonjour les dégâts. Ah non, 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 on y rendra, vous allez voir, hein. Et comme pour la canicule, comme pour le virus, c'est parti. Nous allons vivre dans un monde de recommandations. Vous avez vu, là, ça y est, c'est parti. Recommandations, voilà. J'ai lu quelques recommandations, lues dans les journaux. On va en bouffer pendant des mois, hein. Par exemple, recommandation, ne pas dépasser 5 minutes pour prendre une douche. Bon, moi, ça me paraît énorme, mais bon. Alors, très important, couvrir les casseroles pendant la cuisson. Celle-là, elle est bien aussi. Utiliser des télés plus petites. Voilà, et alors, celle-là, alors, elle est magnifique. Utiliser l'électricité entre 2h et 4h du matin. Et là, tu fais, je dors, connard. Voilà. Alors, celle-là aussi, vous allez voir, on va avoir une liste. Alors, utiliser des bouillottes pour regarder la télé. Tu vois, et la bouillotte va être plus grande que la télé. Voilà. Et alors, celle-là est pas mal aussi. Dans les immeubles, et ils disent ça, mais vraiment, ça c'est les polytechniciens qui ont préparé le truc, hein. Dans les immeubles, parlez à votre gardien pour régler la chaudière. Et alors, celle-là, je vais garder la meilleure pour la fin. Cet hiver, aérer moins. Aérer 10 minutes par jour. Alors, le problème, c'est que la pandémie n'est pas finie. Et qu'ils nous ont dit d'aérer toutes les 3 heures. J'en ai marre! Et d'ailleurs, vous avez vu, à propos de Covid, on va jeter des millions de doses, 30 millions de doses de vaccins. Ils ne servent pas. Il y a des mieux qui sont arrivés sur le marché. Les autres, c'était de la merde, ceux que vous avez eus. Alors, voilà, 30 millions de doses, hop, on va les brûler comme ça. On pourra peut-être les brûler pour se chauffer. Voilà. Et là, c'est la prise de conscience. On découvre tout d'un coup l'eau tiède. Et dès que la crise énergétique sera passée, on redécouvrira l'eau chaude.
Non, mais vous allez voir, ça va dégénérer, j'en suis sûr. Vous allez voir que, comme pour la pandémie, on va se fliquer, on va se dénoncer. La délation, on va y aller pour savoir qui prend l'avion. Tu vois, il a pris l'avion. Comme ça, qui allume chez lui la nuit? Appelez les flics. C'est mon voisin, c'est allumé. Bah oui, parce qu'entre 2h et 4h du matin, alors bon. Qui laisse passer de l'air sous sa porte, etc. Mais attention, restons positifs. Je me suis renseigné, je finirai avec ça. Il existe des solutions. Alors, j'ai lu, mais beaucoup sur le sujet. Hein. Alors, il est pour l'eau, par exemple, si on va pénurer l'eau, là, ça va. Il existe. Alors, par exemple, j'ai lu, il y a tout un dossier dessus. Hein. On peut récolter le brouillard avec des filets. Non, non, ça paraît con comme ça, mais. Alors, pour l'instant, moi j'ai lu l'article, j'ai lu ça, hein, et à la fin, ils disent, pour l'instant, on n'a pas les filets. On dirait les écolos. Solution aussi, remorquer des icebergs avec des bateaux qui consomment donc 4000 tonnes de mazout en moyenne. Et alors, pour économiser l'eau, alors on apprend que, je sais pas si vous avez vu ça, mais j'étais sidéré, moi. Un litre sur cinq est perdu à cause des fuites de canalisation. Moi, c'est énorme. C'est des plombiers qu'il nous faut, en fait. Formons des plombiers. Voilà. Et justement, paradoxe, je voulais en venir là, le gouvernement, souvenez-vous, a tablé sur la formation. Hein. Il ne va pas arrêter de nous gonfler avec ça, tout le monde a reçu des mails. Faites de la formation, de l'apprentissage, entreprise. On a entendu ça de bout de champ. Les jeunes ont écouté, d'ailleurs, ça a marché. Plus 152% de contrats d'apprentissage. Et c'est bien, ça fait baisser le chômage. Alors, ça a tellement bien marché que le gouvernement est obligé de raboter 800 millions d'euros de financement. C'est-à-dire que le gouvernement a tellement pas confiance dans ce qu'il raconte que quand ça marche, il est surpris. En plus de tout ça, c'est l'inflation. Bon, tout a augmenté. C'est l'effet papillon. Même le papillon a augmenté. Et alors, la guerre à bon dos. Alors, parce qu'on appelle ça l'effet d'aubaine. Alors, ça, pareil, j'ai lu un gros dossier là-dessus, le principe du libéralisme. Hein. Prenons, par exemple, l'électricité. L'électricité, maintenant. Alors, le prix du gaz explose. OK ? Paf. Donc, derrière, celui de l'électricité nucléaire aussi, hydroélectrique aussi, solaire aussi, et pour le charbon aussi. Sans aucune raison objective. Est-ce que vous avez des questions? Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. On doit passer sous la barre des 3% de déficit d'ici à la fin de Macron 2. Elle n'est pas belle, la vie. Mais arrêtons de nous morfondre. Arrêtons. Arrêtons. Et je finirai toujours avec ces mots. Faisons gaffe. Faisons gaffe à l'hypocondrie médiatique. Cessons d'amplifier le danger nourri par les médias. La morosité ambiante devient ma morosité. La réalité du monde devient mon triste sort. Et on finit par se rassurer dans l'angoisse. Spirale infernale nourrie par une overdose d'infos. Trop d'infos, tu l'info. Comme trop de lois, tu la loi. Par contre, trop de conneries n'a jamais tué un. Comment? Penser au long terme, rêver sa vie quand on est pris dans la dictature de l'instant. L'angoisse crée le pessimisme qui engendre le défaitisme qui lui-même fabrique de l'impuissance qui à son tour nourrit la résignation pour finir par une tétanie de la pensée, autrement dit, au niveau zéro de la réflexion, la voie est libre, nous sommes totalement absents parce que trop présents. Alors, prenons de la hauteur, du recul, respirons, rêvons, pensons. Si l'autruche ne mettait pas sa tête dans le sable, elle serait morte de peur. Si elle la met, elle se fait enculer.
Alors essayons d'être des autruches à tête haute. Des autruches spirituelles, philosophes, des autruches qui regardent vers l'avant pour protéger ses arrières. Des autruches avec les deux pieds dans la merde, mais la tête dans les étoiles. Réagissons avant que le système nous mange, nous bouffe, nous transforme, nous explose, avant que la défaite soit cuisante. Car comme le disait le général MacArthur, toutes les grandes défaites se résument en une phrase: trop tard.